Hey Fredj. Fredj. Ben quoi? Mais qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? Tu m'as bien dit qu'on faisait une émission sur les tzitzites aujourd'hui, non? Alors justement, les ponchos aussi sont concernés. Alors rejoins-moi avec Farah Doumim, je vais te montrer comment on fabrique des tzitzites et on va essayer de percer le secret du fil d'azur. Samuel, qu'est-ce que tu fabriques? Fil! À Kfar Adoumim, on fabrique des tzitzites. Mais ici, on va voir qu'ils ont une particularité. Avant tout, expliquons ce que sont des tzitzites. Ce sont des franges. On doit les attacher exclusivement sur un vêtement à quatre coins. Ainsi, on doit les attacher sur chacun des quatre coins d'un talit ou sur le poncho de Fredj. Les tzitzites sont noués de manière très particulière sur les quatre coins du vêtement. Et donc, si je porte un vêtement classique, t-shirt, chemise, bref, pas un vêtement à quatre coins, comment je fais pour porter des tzitzites? C'est pour ça que de nos jours, on porte toujours un talit katan pour ne pas manquer cette mitzvah si précieuse et si simple à réaliser. On dit qu'elle équivaut aux 613 commandements. On porte le talit katan en permanence et le talit gadol pour les prières en général. Eh oui, dans le judaïsme, chaque moment de joie est l'occasion d'accomplir de nouvelles mitzvot. Dans de nombreuses communautés, le talit gadol sera porté à partir de la bar mitzvah, la majorité religieuse. Dans d'autres communautés, ce sera à partir du mariage. C'est souvent à la fiancée que revient le mérite d'offrir le talit du mariage à son fiancé. Le talit gadol, ou châle de prière, est porté par chaque homme lors de la prière du matin. Quant au talit katan, il se porte toute la journée depuis l'enfance. Certains parents profitent de la cérémonie de la halaké pour offrir le premier talit katan à leur fils. La halaké, c'est une coutume d'origine ashkénaze qui s'est répandue. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 3 ans, on organise une grande fête pour sa première coupe de cheveux. Ça correspond à peu près à l'âge où l'enfant apprend à lire et où il commence à apprendre des versets de la Torah, comme le schéma Israël. Allez Shlomi, je viens d'arriver à la fabrique. La mitzvah des tzitzit est extrêmement simple. Il s'agit pour chaque juif de porter cette étoffe sous un vêtement afin d'accomplir une mitzvah équivalente aux 613 commandements à chaque instant. Alors la mitzvah des tzitzit est requise sur tout type de textile, mais certains privilégient quand même les talits en laine parce que dans ce cas-là, la mitzvah est requise d'après la Torah selon toutes les opinions. Alors les tzitzit en 5 étapes. Il faut d'abord tondre les moutons. On obtient alors une laine brute qu'il faut blanchir. On procède alors au peignage qui permet de démêler les fils. Il ne reste plus qu'à filer la laine. Cela signifie qu'on assemble plusieurs fibres de laine pour former un fil. Enfin, on procède au tressage. Les fils sont repliés sur eux-mêmes pour former les tzitzites d'une épaisseur de 8 fils. Toutes ces étapes sont communes pour la réalisation de n'importe quel fil de laine. Seulement, pour les tzitzites, toutes les étapes sont effectuées spécifiquement pour la mitzvah. Les chaînes, mitzvat, tzitzit. Et depuis le peignage, chaque étape est effectuée par la force de l'homme. Ok, la batte colle. Mais ici, à Kfar Adoumim, on fabrique des tzitzites spéciaux, couleur bleu azur ou terhelet. C'est juste pour faire joli? Pas du tout! Le terhelet, c'est une couleur bleu azur. Pourquoi? Parce que cette couleur ressemble à la mer, qui ressemble au ciel, qui ressemble au trône céleste. Cette couleur était extraite à partir d'une créature marine, le chilazon. Selon la tradition, cette créature marine remontait à la surface en masse une fois tous les 70 ans. C'est cette espèce qui aurait fait la richesse de la tribu de Zevouloun placée sur le littoral d'Israël. Malheureusement, depuis des siècles, le secret de la fabrication du terhelet s'est perdu et on ignore quelle est la véritable espèce du chilazon. En fait, depuis environ 150 ans, des rabbins ont tenté de retrouver le chilazon. Le Hanmour de Rougin pensait que c'était la sèche commune et que le terhelet était l'encre qu'elle sécrétait. L'ancien grand rabbin d'Israël, Rav Yitzhak Alevi Herzog, pensait qu'il s'agissait en fait soit de la gentine, soit de l'hexaplès tranquillus. Et toi Yoel, quelle sorte de chilazon tu utilises? Nous utilisons le chilazon hexaplès trunculus. Tu vois, il est ici. Ça, c'est son pied. Là, c'est son corps. Et ça, d'une certaine manière, c'est sa maison. Yoel, combien de chilazon comme celui-là il faut pour teindre les tzitzites d'un talit? Environ 30. À présent, Yoel va nous montrer comment on teint la laine en terhelet. On mélange le sang séché du chilazon avec du carbonate de sodium, on ajoute de l'eau chaude et de l'acide citrique. Puis, on trempe la laine. On laisse reposer, on retire la laine, on place la laine au soleil et on obtient le fameux bleu azur du terhelet. Alors du coup, Shlomi, je laisse mes tzitzites blancs ou bien je les teins en terhelet? Les avis sont partagés. En fait, ça n'a pas vraiment d'incidence car les tzitzites sont cachères quelle que soit leur couleur.
Évidemment, si on était sûr de ce qu'était le chilazon, on devrait tous porter un fil techelet. Mais comme on n'en est pas sûr, la plupart des décisionnaires recommandent de ne porter que des fils blancs uniquement. Et dis-moi Shlomi, les tzitzit, ça concerne aussi les femmes? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de mitzvot. Un, toutes les mitzvot négatives, comme ne pas manger de la viande ondulée, ne pas voler, etc. Toutes ces mitzvot concernent les femmes. Deux, les mitzvot positives, comme le respect des parents ou le port des tzitzit. Mais lorsqu'une mitzvah positive dépend du temps, comme les tzitzit qu'on a l'obligation de porter que le jour, les femmes ne sont pas concernées par cette mitzvah. Sinon Fredj, t'as pris quoi finalement à la fabrique? Regarde Shlomi, il est pas mignon ce petit talit? Bah, il est beaucoup trop petit. Quoi, il faut une taille minimale pour un talit katan? Bah oui, il faut au moins 48 cm de largeur et 72 cm de longueur. C'est malin. Mais c'est pas pour moi, voyons. C'est pour le fils de Samuel. Il va avoir 3 ans, c'est Sarah Laké. Tu te souviens ?